Bonjour et bienvenue à John Egan et son histoire, une série de capsules vidéo commémorant John Egan en tant que baron du bois de l'Outaouais et le 175e anniversaire de son élection en tant que premier maire d'Elmer en 1847. Je m'appelle Isabelle Demmel, présidente de l'Association du patrimoine d'Elmer. La production de ces capsules vidéo a été rendue possible grâce au programme de soutien aux initiatives de commémoration du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Notre invité aujourd'hui est M. Richard Bégin, historien et auteur du livre « De l'Auberge Conroy à l'Hôtel British ». Il nous parle aujourd'hui du British qui était au cœur des activités de John Egan. Bonne écoute! Évidemment, la question qui doit être sur le tribunal pas mal tout le monde, c'est comment se fait-il que John Egan a tenu les réunions de son conseil municipal pendant quasiment 5 ans, ou peut-être même plus que 5 ans, à l'Hôtel British. Pourquoi les réunions du conseil municipal ne se tenaient pas dans un autre édifice, notamment, par exemple, à la cour de district, qui aurait été plus neutre politiquement? Bon, alors, il y a lieu de se poser la question, mais il faut se replacer dans le contexte. En 1800, oui, on avait une cour municipale, une cour de district à partir de 1842, mais en 1845, l'édifice a brûlé, puis après ça, la cour s'est déplacée d'un édifice temporaire à l'autre. Donc, au moment où Aylmer a été incorporé, bien, c'était pas très pratique. Puis d'autre part, il faut réaliser que le mandat principal de la cour de justice, c'est de s'occuper des poursuites judiciaires et non d'accommoder un conseil municipal local. Donc, première raison qui fait que l'Hôtel British était plus approprié. Pourquoi c'était plus approprié? Bien, replaçons-nous dans le temps, encore une fois. Au début du régime municipal, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de bâtiments publics, surtout dans les municipalités naissantes, là, peut-être à Québec et à Montréal, mais ailleurs, non. C'était une pratique courante que de tenir les réunions dans des hôtels, que ce soit à Hull ou à Aylmer, pour pouvoir accueillir une plus grande foule, donc le public en général. Ça n'aura pas vraiment valu la peine au tout début de construire un hôtel de ville juste pour quelques réunions par année. Selon la loi, il fallait tenir 4 réunions du conseil municipal par année. Et puis, chaque réunion pouvait durer, d'après ce que j'ai vérifié dans les procès-verbaux, là, entre 2 et 3 heures. Puis, de 1847 à 57, d'après les procès-verbaux, il y en a eu entre 4 et 10 en moyenne par année. Puis, quand je dis 10, je suis généreux parce que souvent, il était obligé de reporter la réunion parce qu'il n'y avait pas quorum. Tenir les réunions dans un hôtel, c'était acceptable et c'était moins coûteux que de construire un édifice spécifique. Aujourd'hui, évidemment, quand on parle d'hôtel de ville, on pense à une grosse machine administrative et puis beaucoup d'élus. À l'époque, c'était tout petit, il y avait peu de services publics, donc il n'y avait pas nécessité vraiment de construire des édifices spécifiques pour tenir les réunions du conseil. Ce qui fait que donc, la cour de justice ne fonctionnait pas. Il restait l'Hôtel British. Mais entre-temps, on avait obtenu le palais de justice pour tout l'ouest du Québec. Donc, la construction avançait, mais c'est seulement en 1852 que l'édifice a été terminé. Et c'est en septembre 1852 que là, le conseil municipal a déménagé au palais de justice pendant un certain temps. Puis,
Entre-temps, bien évidemment, on avait commencé à se dire, bien, ça nous prendrait aussi notre propre édifice, ne serait-ce que pour avoir une place du marché. Alors, il y a eu certains investissements pour créer une place du marché avec un bâtiment qui, éventuellement, allait servir d'endroit pour les réunions du conseil au deuxième étage, mais aussi pour permettre la vente de produits agricoles, mais aussi accommoder d'autres institutions, comme par exemple l'Académie d'Elmer, qui a eu ses locaux dans cet édifice-là pendant un certain temps, ou la communauté presbytérienne qui avait abandonné son édifice précédent, qui avait besoin d'un endroit pour se relocaliser. Bref, ça a servi à diverses fins. Et c'est en juillet 55, que le conseil municipal a finalement commencé à tenir ses réunions à la place du marché ou dans l'édifice de la place du marché. Mais à ce moment-là, Higgins n'était plus le maire. C'est Charles Sims qui était devenu maire, Charles Sims, le fondateur d'Elmer, mais en même temps, Charles Sims était là depuis le début, et puis à chaque fois que John Higgin devait s'absenter, parce qu'il y avait d'autres tâches, soit dans ses concessions, soit au Parlement, c'était Charles Sims qui presque toujours le remplaçait. Donc, un dernier élément à ajouter, c'est qu'il faut se rappeler que les premiers élus d'Elmer, c'était des gens qui se connaissaient bien, qui faisaient des affaires ensemble. Dans le domaine, évidemment, de la foresterie, ça va de soi, mais l'hôtellerie, le magasin général, moulin à farine, scierie, etc. Donc, John Higgins se retrouvait, au fond, avec, on pourrait dire aujourd'hui, des copains, Charles Sims, Robert Conroy, James Wadsworth, Robert Clark et quelques autres qu'on voit se succéder au conseil municipal. Donc, tout ça explique pourquoi, pendant tout le règne de John Higgin, les réunions du conseil municipal se sont tenues à l'Hôtel British. John Higgin, malheureusement, est mort dans la fleur de l'âge. Il est mort à 46 ans. Il est mort du choléra alors qu'il était à Québec. On a rapatrié son corps. Il était enterré à Elmer, originellement, puis on a même édifié un monument commémoratif à son sujet. Mais en 1903, lorsque son fils, John, a vendu la propriété à Robert Wright, il a fait transférer les restes de John Higgin au cimetière Beechwood. Merci. Bien, j'ai quelques illustrations de l'Hôtel British, deux par des artistes, une par Jean Bernèche qui nous montre, en fait, c'est important de voir de quoi ça devait avoir l'air au 19e siècle. Alors, l'Hôtel British a été construit en deux étapes. La première aile, qui est la plus à l'ouest, avec un style québécois ou canadien, qui avait des lucarnes. Aujourd'hui, on ne voit plus la différence à cause des transformations, mais à l'époque, il y avait une grosse différence. Donc, la section ouest était construite entre 1834 et 1838. Là, évidemment, c'est assez difficile de mettre le doigt exactement sur la date précise, mais dans ces dates-là. Et par la suite, l'édifice a été agrandi, notamment au début des années 50. Donc, ça, c'est l'aile est, qui était plutôt de style géorgien. Puis, entre les deux, il y avait une arche par laquelle passaient les chevaux pour aller dans les étables en arrière, puis permettre aux voyageurs de descendre. Alors, l'illustration de Jean Bernèche nous présente justement cette caractéristique-là à l'époque. C'était pas un seul bâtiment comme celle-là aujourd'hui. Et j'ai une deuxième illustration qui a été faite par Édouard Durand. Édouard Durand, lui, il nous montre l'Hôtel British vers la fin du 19e siècle, début du 20e, alors que la partie S était occupée par une première banque qui était l'Union Bank of Canada, puis éventuellement ça allait évoluer avec le temps. Je pense que c'était devenu la Crown Bank. Éventuellement, le barbier se retrouverait là. Donc, ces deux illustrations qui sont intéressantes, on peut comprendre qu'au 19e siècle, il n'y a pas beaucoup de photos de ça. Mais pour donner quand même un aperçu, j'ajoute une carte postale
aux alentours de 1920, qui nous montre à quel point c'était vraiment un très bel édifice avec son balcon supérieur du haut duquel le prince de Galles serait adressé à la population, avec des arbres en avant. Tout ça, ça a été gâché avec le temps, là, parce que, comme vous savez maintenant, l'hôtel British est directement sur le trottoir. Et je pense que cette photographie-là, qui est devenue une carte postale, donne vraiment une très bonne impression du bâtiment qui, plus récemment, a été restauré, mais transformé aussi en partie. Ce qui est singulier à propos de l'Hôtel British, c'est que c'est vraiment un édifice identitaire majeur qui a gardé sa structure, qui a été épargnée par les incendies, contrairement à l'Aubergine, par exemple, qui a brûlé à la fin des années 50, si je ne me trompe pas, et qui a été reconstruite par la suite. Mais c'est un édifice, surtout, qui était vraiment au cœur de l'histoire municipale et communautaire et d'Aylmer, et pendant un bon bout de temps de l'ensemble de la région, puisque Aylmer était le chef-lieu de l'Outaouais québécois, ou du canton de Hull, disons plutôt, jusque, ben, techniquement, là, on peut dire que ça s'est étiré jusqu'en 1897, quand le palais de justice a déménagé à Hull. Et ça a servi à toutes sortes de fins. En 1869, lorsque le palais de justice a passé au feu, ben là, c'est le palais de justice qui a tenu ses réunions c'est à la cour. Ben, la cour a tenu ses sessions à l'intérieur de l'Hôtel British pendant un certain temps. Après l'incendie majeur qui a rasé une bonne partie d'Aylmer en 1921, ben là, ça a servi à diverses fins, écoles, l'église presbytérienne a passé au feu, ils ont eu leur cérémonie à l'intérieur de l'Hôtel British. Et on peut dire que ça s'est perpétué jusqu'à la fin du 20e siècle, parce que même à la fin des années 90, lorsque les bâtisses ont vu leur maison ou leur édifice passer au feu, ben ils sont retrouvés eux aussi à l'Hôtel British pour leur cérémonie. En fait, ils songeaient à acheter l'Hôtel British, mais pour des raisons financières, ils n'ont pas été capables. À cela, je peux ajouter qu'il y a eu plein d'assemblées publiques. La plupart, pendant des générations et des générations, les mariages, baptêmes, etc., peu importe la confession religieuse, se tenaient à l'Hôtel British. Les parties d'équipes de hockey, ou de curling ou de quoi que ce soit cette année-là. Donc, c'était vraiment la place en ville. Et pendant, à la fin du 20e siècle, 1900, il y a eu beaucoup de concerts. Et à la toute fin du 20e siècle, malheureusement, là, l'édifice avait perdu un peu de son attrait. Mais là, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils n'auront qu'à lire le livre que je prépare et qui sortira à l'automne.